de grande tristesse à Lubumbashi, samedi 20 février 2021, jour de l'enterrement de Didier Katalissi, ancien président du comité général de coordination des fanatiques de l'AS Vita Club, décédé le 13 février 2021 de suite d'une courte maladie. L'émotion était palpable depuis la morgue de l'hôpital Don Bosco de Lubumbashi avant la levée du corps. Dès là, le cortège funèbre s'est dirigé vers le complexe Omnisport Kiweli où les sympathisants et fanatiques de l'AS Vita Club lui ont rendu hommage. Témoignage arrangé avec M. Freddy, qui est de l'organisation. Grand rival des Dauphins Noirs, le Darin Klemotema Pembe de Kinshasa était représenté par les fans verts blancs vivants à Lubumbashi qui ont salué la mémoire de cette grande figure de l'AS Vita Club. Les Banaveya, qui n'ont raté aucune cérémonie, ont également déposé leurs gerbes de fleurs avant de se rendre au cimetière rivière des Anges de Kasangiri. Le corps de ces grands véclébiens est finalement accompagné à la vallée de l'archange Gabriel à Kasangiri, sa nouvelle adresse. Katalissi est décrit comme l'homme de 33 points par ses proches et les fidèles de l'AS Vita Club. L'homme de 33 points. Ce parcours sans faute de la manche retour de la Linafoot en 2018 restera longtemps dans les mémoires de Banambongo. Dans ses veines circulent le sang vert et noir. Il a été promu président des Sportes du Haut-Katanga. Il a été rappelé à Kinshasa pour les mêmes fonctions, cette fois-là au niveau national. Et le travail qu'il a abattu au niveau de Kinshasa, c'est un grand travail parce que les résultats ont été palpables. On l'appelle l'homme de 33 points. À 55 ans, l'homme de 33 points chez les Dauphins Noirs de l'AS Vita Club s'en est allé, laissant une veuve et trois enfants.